بعد الأخبار المتداولة بقوة حول تغيير لاعب أولمبيك ليون الفرنسي الفرانكو الجزائري حسام عوار لجنسيته الرياضية وقراره بتقمص ألوان المنتخب الجزائري، بدأت الصحافة الفرنسية بالهجوم على اللاعب. Et clair, c'est qu'il a choisi la France pour la question sportive et football. D'accord, donc on va pas se voiler la face. Aujourd'hui, un binationaux qui est sélectionné dans une équipe comme l'équipe de France a plus de valeur qu'une équipe, qu'un footballeur qui joue en Algérie. C'est la réalité. On parle souvent que le football africain est dénigré un petit peu. C'est la réalité. Et c'est pas méchant de dire ça. Une fois que tu as choisi la France, parce que tu as été formé en France, parce que tu as choisi l'équipe Espoir, où tu as quasiment 20, et une 20, 20 sélections. Ouais. Et une sélection en 1, parce que tu as brillé avec l'Olympique Lyonnais et tu méritais d'y être. Eh bien, au d'un moment, tu as choisi, tu assumes, tu vas jusqu'au bout. Tu t'accroches. Voilà, okay, parce que s'il avait pensé à l'Algérie avant, mais il y serait déjà. Il aurait déjà été champion d'Afrique, Jean-Louis. Alors, Pascal, pour conclure. Ouais. Ben pour conclure, il est né à Lyon, c'est un gamin, il a 23 ans. Aujourd'hui, il a double nationalité, ben c'est une chance, comme dit Jérôme. Mais il est un peu plus mûri par rapport au football français et il a peut-être la famille en Algérie. Ben c'est son choix. Mais le problème de Aouar aujourd'hui, c'est pas de choisir entre l'équipe de France ou l'équipe d'Algérie, c'est son problème. Le problème de Oussem Aouar aujourd'hui, c'est de progresser par rapport aux espoirs qui étaient placés en lui, Mohamed. Parce que depuis 2-3 ans, il n'a pas progressé, ce garçon. Ouais. Moi, je trouve que déjà, quand on choisit un pays, c'est pour aller jusqu'au bout. Quand il a choisi la France, moi, je serais algérien, ça ne me carrément pas qu'il change d'avis comme ça en cours de carrière. Ça montre aussi, entre guillemets, que c'est pas un bon joueur, qu'il n'a pas de mental, un peu comme il est sur le terrain, quoi. Qu'il a un mental fluctuant, que c'est pas un gros battant, qu'il n'a pas envie de gagner sa passe. Pour moi, c'est un aveu de faiblesse, ça veut dire que ça, montre, ça indique aussi... Ce serait, on va rester au conditionnel quand même, Pierre, non, ce serait un aveu de faiblesse. Voilà. C'est pour ça que si Oussem, tu m'entends, moi je serais toi, je dirais pas, mais pour moi, ce serait un aveu de faiblesse, c'est-à-dire qu'il va dire à tous les grands clubs, je suis pas assez bon pour être international français, donc prenez-moi pas, quoi. Moi, il faut que j'aille à l'Espagnol Barcelone, mais surtout pas au FC Barcelone. C'est un peu ça le message qu'il risque d'envoyer, et moi, je serais lui, j'essaierais de montrer ce qu'il est encore jeune, Oussem. 23 ans, ouais. 23 ans, pour moi, il faut simplement qu'il ait un peu de régularité. Peut-être qu'en quittant Lyon, il va le trouver. Et qu'il progresse. Et qu'il progresse. Voilà. Et s'il progresse et qu'il trouve... Et pour moi, son axe de progression, c'est d'avoir de la régularité. C'est ça, un grand joueur. Un grand joueur, c'est pas de faire 10 matchs et d'être 30 matchs mauvais. L'important, c'est de faire 40 matchs au minimum bons. Et s'il est bon à ce niveau-là, l'équipe de France, il peut gagner sa place. Parce que aujourd'hui, c'est qui est titulaire en équipe de France? Pogba, je sais pas. Kanté, je sais pas. Rabiot, je sais pas. Pour moi, il y a Griezmann, je sais pas. Donc pour moi, il y a encore de la place à se faire. Il est jeune. Et moi, je m'accrocherai. Ok, alors Capitaine, t'avais envie de réagir, j'ai l'impression. Mais ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu. Il est toujours là, Mohamed. Bien sûr. Ça me gêne un petit. Mohamed, ça me gêne un tout petit peu ce que tu as dit, Mohamed, parce que tu as dit ah oui, la marche est trop haute pour lui en équipe de France. Donc il ferait bien. Ah oui, tu as dit ça. Non, mais j'ai dit ça. Mais ça veut dire que tu considères que l'équipe nationale d'Algérie est une sous-équipe, sous-équipe. Attention, parce que c'est ce que l'on peut comprendre, Mohamed, quand tu dis ça. Je trouve vos raisonnements. Hein. C'est-à-dire, avec l'équipe de France, en fait, quand tu vois l'équipe de France, t'as combien de matchs par an? Voilà, t'as 5-6 matchs par an, d'accord? Après les compétitions internationales, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Bon, mais après les compétitions internationales, il y a l'Euro et la Coupe du Monde, c'est-à-dire, voilà. Tandis qu'en équipe d'Afrique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier la CAN. La CAN, c'est une compétition vachement dure, qui se joue sur des terrains compliqués, avec des règles un peu compliquées, etc. Je pense que pour un garçon, peut-être qui est dans le doute, ou qui est dans le dur, jouer dans une équipe nationale qui est combative comme celle d'Algérie, ça va peut-être aussi... Mohamed, on est d'accord, il y a...